Donc là, vous faites. Et là, on va faire la phase de division façonnage. Façonnage est un bien grand mot. On façonne pas ici. On façonne pas bien. On essaie presque de le laisser à l'état sauvage. On essaie de l'écouter, de le suivre, de le comprendre, l'aimer, le pratiquer, et faire en sorte de juste l'accompagner pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Donc ça a levé depuis hier, c'est ça? Depuis hier, 15h. Et la farine, c'est vous-même qui l'avez... La farine a été moulue hier matin. Voilà. Et ça, c'est cette armoire qui a 100 ans, c'est ça? Ouais. Et ça reste combien de temps dans cette armoire? C'est le four qui est le patron, là, maintenant. Ah. Là, on n'a plus la main. Le four, il va monter. Le feu va s'éteindre. On va nettoyer. Puis on va tout bloquer, toutes les entrées d'air, etc. Le cendrier, le houra, c'est-à-dire les dégagements cheminés. On va tout bloquer. Et là, le four, il va rester... une petite demi-heure à équilibrer ces températures à l'intérieur. Et à un moment donné, on va passer les 265 degrés. Et là, on va mettre de l'eau. Et puis, on va mettre le pain. Voilà. Mais c'est le four qui est le patron, là. C'est plus nous le patron. C'est un peu comme quand le moulin, là-haut, est mis en route. C'est plus nous le patron, c'est le four.